Good morning, allez, Yiden, le tu seras aujourd'hui, le Lunishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Bat Reina et Marie Myriam Bat Julie Lebet Berda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions en Sechet Nedarim, Perektet Mishnah Tet. Potrim la Adam Bichvod Atzmo ou Bichvod Banav. Omrim lo, ilu haita yodea shele machar, omrim alecha kachi vesto shel ploni. Mégaréchet nashav. Vel benotecha yomrim, benot grouchot en. Et mara ata iman shel elo leit garech. Va amar elo haiti yodea sheken lo haiti noder arizenotar. On est bien sûr dans le 9e chapitre de Nedarim, on parle essentiellement de comment permettre un Neder. C'est-à-dire, je répète, le principe, plusieurs principes qu'on a évoqués, ceux qui vont nous intéresser pour le Mishnah en tout cas, c'est que je prononce un Neder. J'ai la possibilité, après coup, je réalise, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette le Neder parce que je n'avais pas bien considéré les choses. Je me suis interdit de ne pas manger de lait aujourd'hui jusqu'à pendant 2 jours. J'ai oublié qu'en fait, ma sœur, elle avait prévu de faire la bat mitzvah halavit de sa fille ce soir. Du coup, je ne vais pas partir chez la bat mitzvah de sa fille, je ne vais pas manger de lait. Je vais voir le chacham, je vais lui dire, si je m'étais souvenu de cette histoire, jamais j'aurais prononcé le neder. Le neder et le chacham ont dit, dans ce cas-là, ton neder, tu avais mal considéré les éléments pour prononcer ton neder, ça s'annule. À la différence du cas où, entre parenthèses aussi, nolad, parce qu'on a besoin de tout ça de Mishnah, on n'a pas potrim neder ben nolad. Ça veut dire, imaginez que je vous interdis de prendre du lait pendant 2 jours. Et après, il y a mon frère qui m'appelle, qui me dit, oh là là, je viens de gagner ça, et demain je t'invite à prendre un petit déjeuner, j'organise demain une réception halavit, avec tout plein de lait, viens. Là, au moment où j'ai prononcé le neder, mon frère, il n'avait pas encore gagné son million, je ne sais pas. Il n'avait pas encore prévu qu'il allait. C'est pas qu'il me manquait un élément, c'est que l'élément il n'existait pas encore. Ça s'appelle Nolad, quelque chose qui est venu ensuite. Dans ce cas-là, l'opotrim benolad. Ok? On avait encore évoqué toutes sortes d'éléments, mais on ne va pas tout rapporter maintenant. Mais ce qui nous concerne pour notre Mishnah, l'essentiel, on l'a dit, que potrim l'adam bichvod atzmo ou bichvod banav. On peut ouvrir un éder. Imaginez, on parle de quelqu'un qui a fait le néder, il s'est fâché avec sa femme, il veut la divorcer. Il a fait le néder qu'il allait la divorcer. Et maintenant, il va voir le chacham et il ne trouve pas de bonne excuse parce que tous les éléments, il les avait devant lui, il la connaissait par cœur et il en avait marre d'elle. Puis finalement, il n'en a plus marre d'elle parce que finalement, quand il va se retrouver tout seul, ce sera bien pire d'être seul que d'être mal accompagné. Ouais, c'est plus agréable d'être avec une femme quand même si toutefois, de temps en temps, elle lui sape le moral, peu importe, il préfère quand même rester avec elle. En tout cas, on ne va pas lui trouver un éder, un pétard, il faut lui trouver un pétard, une vraie cause. Que s'il avait considéré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas lui prendre non plus des nouvelles choses. Okay, alors quoi, qu'est-ce qu'on peut considérer? La Mishnah me dit Birvod Atzmo ou Birvod Banav. On peut lui parler de l'honneur et de la fierté, de l'honneur de la famille, de lui-même ou de ses enfants. Ouais, et ce n'est pas considéré ni comme un olad, ni. Par exemple, Omrimlo, on va lui dire, mais tu sais ce qui va se passer? Tu vas te mettre à divorcer ta femme. Tu sais les ragots qu'il va y avoir sur toi? On va dire qu'en réalité. Tu sais ce qui s'est passé? Sa femme, elle a commencé à connaître quelqu'un, on va savoir si ses enfants, du coup, c'est peut-être pas les siens, peut-être c'est ceux du voisin, des atrocités. Et du coup, c'est des bonnes... Alors du coup, il va dire que, ah, si c'était le cas, je n'aurais pas prononcé le neder, dans ce cas-là, c'est une bonne raison. C'est ce que la Mishnah va me dire. Ilo haita yodea shele machar omrim alecha kachi vesto shel ploni. Ou bien, pour toi, plus personne ne va... Tu crois que tu vas te divorcer et tu vas trouver une autre femme mieux? Les gens vont commencer à raconter sur toi que tu es quelqu'un de nerveux, de quelqu'un de intransigeant sur des tas de choses. Sa femme, elle l'a supporté pendant 20 ans, elle ne pouvait plus le piffrer à la fin. Elle a dit, tu crois que tu vas être marié avec quelqu'un? Les gens, ils vont dire, ouais, t'es marié, il y a un petit beau gosse maintenant de 78 ans qui se retrouve tout seul. Tu crois que ça va se passer comme ça? Tu vas galérer, tu vas passer le reste de ta vie tout seul. Tu vas pas intéresser personne. Parce que les gens, ils vont dire, qu'arrive Stoche la Plonie, telle est la vaisselle. La vaisselle, c'est le cycle de quelqu'un. La nature de quelqu'un, Mégaréchet Nashav. Dès qu'il en a marre d'elle, il les plaque, il les renvoie, il les afflige, il les jette comme. Et donc du coup, il les humilie comme ça. Ou encore, Val Benotecha, Yombrim Benot Groshot, sur tes filles, on dira tu divorces ta femme, parce qu'en réalité, Benot Groshot, c'est des filles divorcées, tu sais pourquoi? Marata Iman Shalelo Lengresh. Pourquoi il a besoin de divorcer sa femme? Hein? Il est tellement bien, au contraire, tu crois que t'es très bien, toi. T'es tellement bien, hein,
que du coup, c'est sûr que c'est ta femme qui a eu un problème. Donc, elle, quel type de problème elle a eu? Allez savoir avec qui elle est. D'accord? Du coup, c'est peut-être ses filles, c'est pas ses filles. Tes filles, elles vont plus pouvoir se marier. Plus ça va... Elles vont dire peut-être c'est des mamzerotes, les petites. Du coup, Vamar, oh là là, Ilo Haiti Yodea Sheken, si j'avais su que c'était ça l'enjeu du divorce, jamais j'aurais Lo Haiti Noder, j'aurais pas prononcé un Noder que je veux divorcer ma femme. Dans ce cas-là, c'est une bonne cause pour laquelle, si c'est une cause réelle, ouais, c'est pas du mytho, c'est réellement une cause que les gens ils vont dire des ragots sur lui ou sur sa femme. Ouais, ils vont s'imaginer toutes sortes de choses. Ça va sortir, ça va salir, ça va souiller l'honneur de la famille. Et c'est ça, dans ce cas-là, hein. S'il nous dit que Lo Haiti Noder, jamais je reprononce un Neder, et dans ce cas-là, Arezé Moutard, on pourra permettre le Neder de la sorte. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.